F. Laure. Main. Salut, c'est F. Oh non, putain, on est parti pour une demi-heure, con. Salut, c'est F. Laure. En manodou. Eh bien... Ça m'a jamais... Allez, et bienvenue dans notre Prime 10. Peaky Blinders. Moi, c'est The Boys. La patte patrouille avec mon fils. Moi, je dirais toujours Invincible parce que généralement, quand je regarde ça dans un avion ou dans un train, les gens me regardent bizarrement. Un grand mec de 2 mètres qui regarde des dessins animés, c'est un peu bizarre. Me préparer un petit thé. Et moi, je me commande à manger, généralement, c'est de la junk food. Moi, je suis pas trop sensible, mais je dirais Walking Dead peut-être. Moi, c'est L'Incroyable Voyage que je regardais quand j'étais petite. C'est un truc avec des animaux et il y a un chien qui meurt et du coup, je pleure. Putain, je me rappelle de ça. Hein. T'as vu ? Ouais, je me rappelle. Avec les trucs épiques, là. Ouais. Moi, c'est Les Petits Mouchoirs. D'ailleurs, bon, on va pas spoiler, mais Les Petits Mouchoirs. Je pense à Banshee. C'est une série que pas forcément les gens connaissent, mais bon, très bien. Un peu violente, mais c'est pas mal. Gladiateur avec... Russell Crowe. Voilà. Moi, je connais tous les acteurs. Je pense à Mister Robot avec Rami Malek. 5 sur 5, c'est l'épisode Celebrity Hunted, parce qu'on est dedans. Je dirais Invincible. C'est un cartoon, mais assez gore. Moi, j'adore tout ce qui est sur la prison, la drogue et les bad boys, quoi. Moi, je dirais espionnage, police, trucs comme ça. Mérine, il est mort, donc ouais, je dirais Mérine quand même. La classe, Mérine. Alors, on a deux filles, une blonde, une brune, un téléphone, de l'argent. New York. Ouais, New York, truc qui scintille. Un bisou lèvres. Croix rouge, rond rouge. Gossip Girl. Ah ouais, mais j'aurais peut-être pas mis comme ça. Moi, j'aurais mis une petite robe aussi, tu vois, en plus. Ah, ça, je sais. Une série c'est ou pas? Bohemian Rhapsody, ça. J'ai vu le premier mec avec la moustache, j'ai dit, ah, c'est sûr que c'est ça. Moustache, guitare, le drapeau. Il représente danse. Bien le dernier emoji, ouais. Comme ça, avec la moustache. Il y a un petit garçon brun, un petit garçon blond. Putain, c'est un garçon, ça? Mais ça, c'est Celebrity Hunted, ça, non? C'est pas nous, ça? Alors? Un petit garçon. Bah oui, parce qu'on était garçon. Non, mais là, t'es blond et moi, je suis brune, là. C'est vie, ça? Non, on peut pas zoomer. Il a fait une connerie. Il regarde toutes les réponses! Non, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Flashback. Il y a un peu un truc, les visiteurs, là. Ouais. Il y a la vie d'aujourd'hui avec... Bah oui, en même temps, le film s'appelle Flashback. C'est un remake des visiteurs, un peu. De retour vers le futur, des choses un petit peu comme ça, mais... C'est une comédie, vu les acteurs. Je crois que c'est Issa Doumbia qui est en bas. Il a un truc avec un téléphone, je pense qu'elle a un téléphone en main. Son téléphone doit la téléporter dans les différents espaces-temps. On sélectionne le film qui arrive là. Et on s'engage à le regarder. Et on s'engage à le regarder. Moi, j'aimerais regarder Bohemian Rhapsody, mais... T'es prête? Allez, vas-y, donne tout. Modeland saison 2. Moi, je veux regarder ça. Tu veux quoi? Attends, on va faire un petit flashback. Hop, voilà. Et voilà, Celebrity Hunted. En plus, on a déjà vu les deux premiers épisodes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez découvert notre univers et de nouveaux films et séries à découvrir sur Prime. Salut. Je m'en rappelle plus.